Vous êtes en direct au Zénith de Toulouse, je suis en compagnie de Vincent Hermance. Hermance, Vincent, 5 fois champion du monde de trial vélo. Voilà exactement, donc sur le même principe que la moto, on va s'atteler à franchir ces zones qui sont vraiment magnifiques, comme vous allez le découvrir. Et du coup, je pense qu'en moto il y a un vrai challenge, mais en vélo ça va être très relevé aussi. Donc voilà, tout est réuni pour passer une soirée de fou. Soirée exceptionnelle. Alors, tu me disais, parce que là on a le plein derrière nous, on vous voit hein, depuis tout à l'heure venir monter sur les structures. Comment tu sais quoi, c'est psychologique, comment tu gères tout ça? Disons qu'on a vraiment l'habitude de reconnaître les parcours, donc c'est assez facile en fait de tâcher d'imaginer ce qu'on va faire, après restera à le réaliser. Alors, toi t'as un handicap, t'as pas le moteur? Handicap pas nécessairement. Alors ce qui est sûr c'est que j'ai pas le moteur, donc il y a des zones qui seront pas possibles pour nous ce soir. Maintenant par contre on a un vélo qui est beaucoup plus léger et maniable, donc on a nos forces et nos failles par rapport à la moto. C'est pour ça que la confrontation est toujours super intéressante. Alors, ça fait combien de temps que tu es au vélo trial? J'ai 32 ans maintenant, donc ça fait une bonne vingtaine d'années, et depuis en gros mes 18 ans en tant que professionnel, donc pas mal d'expérience, ce qui est une bonne chose. Et puis après par contre il faut tâcher d'affronter la fougue de la jeunesse. C'est ça, oui, c'est sûr, c'est sûr. Comment tu es venu d'ailleurs au vélo trial? Tu as fait un sport extrême avant? Tu as fait d'autres choses? Par la moto trial en fait. J'ai commencé par la moto parce que mon père faisait tous ces sports-là, l'enduro, du cross, etc. C'est la moto trial qui m'a le plus plu. Dans un premier temps, j'ai fait un petit peu de vélo pour compléter, et en définitive, c'est là-dessus que j'ai flashé et je ne suis plus jamais redescendu du vélo. Alors les compétitions, tu es encore à fond ou tu as un petit peu calmé, levé le pied? Non, clairement, je suis à fond, il n'y a pas de... Non, je ne suis pas prêt de lever le pied. J'étais champion du monde en 2015. Je ne l'ai pas été l'année dernière et j'espère vraiment que ce sera pour l'année prochaine. Donc encore bien, bien actif en compète. Bon, mais très bien, mais on te le souhaite. En tout cas, hein, Français champion du monde, on adore ça, hein, tu le sais, parce que les Français sont très actifs et on adore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. Alors Vincent, on parlait justement avec Bernard tout à l'heure. Que penses-tu de la visibilité, toi, sur ces événements? Il en manque un petit peu? Je pense que notre sport gagnerait à être davantage médiatisé, évidemment. Il y a du gros boulot à faire. Mais quand on voit un événement comme ce soir, on voit clairement que ce sont des disciplines matures aujourd'hui. Et puis voilà, je veux dire, s'il y a de la com à faire, le meilleur vecteur possible, c'est le trial indoor de Toulouse. On est vraiment au plus beau rendez-vous. Et voilà, ce soir, ça va être blindé de monde, un show incroyable. Donc je pense pas qu'on ait besoin de plus pour la médiatisation. Il faut simplement savoir profiter de ce soir. Très bien. Merci à toi, Vincent, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Et on te dit merde alors pour la suite. Cool, merci beaucoup. Voilà, c'était Vincent avec moi en direct. Vous pourrez le retrouver tout à l'heure en live sur Aero Motorbike et Dailymotion.